Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Life is Strange 2. Dans le dernier épisode, on avait retrouvé Daniel qu'on n'a pas pu récupérer et on a retrouvé aussi la mère de Sean et de Daniel, bien sûr, Karen. Donc, elle nous a emmenés à Damn. l'hôtel. You look bad. Gotta change that dressing soon. Voilà, histoire que Sean puisse se remettre un petit peu. Karen seems to be on the move quite often. Ok. Je pense pas qu'il y ait autre chose à voir ici. Ah, c'est vraiment les hôtels, Wonder how long Karen has been here. les motels typiques américains. Did she see one of Daniel's miracles? C'est intéressant ça, ouais. Est-ce qu'elle a vu du coup le pouvoir de Daniel? This country is just way too big. On s'en rend compte, hein. On s'en rend compte, c'est vrai que le pays est quand même vachement grand quand tu regardes la carte comme ça. Par rapport à la France, c'est clair que... Je ne veux rien d'elle, nada. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Sunday Funday, je suis bien d'accord. Je suis complètement d'accord. I know I shouldn't peek, but T'sais. whatever. Bof. Non, je veux pas. Kinda pretty. Wonder if she made it. Je ne vais pas fouiller, ça ne m'intéresse pas plus que ça en vrai. Enfin, ça pourrait, mais. I really should finish reading this someday. C'est une version réduite, hein, vu la taille. C'était censé être caché. Je peux l'attacher pour 1 $, ok. This isn't her tablet. Elle rame s'il y a trop d'applis ouvertes en même temps, mais ça devrait suffire pour aller en ligne le GPS. Le mot de passe est 112-708, j'espère que tu trouveras ton fils. Yay, technology. She came prepared. Ok, je vais pas tout lire. Bienvenue dans votre nouvelle vie au sein de l'église de l'Ascension Universelle Havenpoint. Message de la révérende mère Lisbeth Fisher. Passe à... Que Dieu vous bénisse, voilà, c'est genre. Elle a été accueillie à Havenpoint, elle a fait son discours d'arrivée. Elle a fondé Havenpoint. Nous accueillons tous ceux qui partagent notre foi et souhaitent construire un pont vers le Seigneur et son domaine éternel. Ok. Trois passages de la Bible. Reverend Mother doesn't look too humble. Ok, donc apparemment elle fait plein de sermons en quelque sorte et tout le monde Looks like a pense. roach motel. Elle est But très nobody will find éloquente. me there. Elle est très éloquente et elle a réussi à convaincre plein de personnes. Hôtel pas cher, Event Point, les lits sont méga pas confortables mais c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière? Ok, dans un truc à la con. Alors. Je suis en train de tourner ça au 5 octobre et j'étais en train de me dire, bon bah c'était il y a pile 2 ans, mais en fait je me suis rappelé que les Américains sont des hérétiques et que ça pour eux ça veut dire le 10 mai et ça veut pas dire le 5 octobre. Ils font jamais rien comme les autres, c'est incroyable. Bref. Be right back. We'll find out. Je suis sorti faire des courses, je prendrai de quoi manger au cas où tu aurais faim, chaussettes et caleçons neufs dans la salle de bain. Pour toi, si c'est à ta taille, tu devras en profiter pour appeler Jacob, son numéro est dans la lettre qu'il m'a envoyée, je reviens. Ouais, ce serait intéressant de l'appeler du coup. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Donc c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va dire Jacob? Parce que j'ai pas très compris ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je m'appelle Jacob et je travaille avec votre fils Sean et Daniel sur une plantation en Californie. Il s'est passé quelque chose et Sean a disparu. Je suis à Haven Point dans le Nevada avec Daniel. Il m'a donné l'adresse de cette boîte postale. Je
Je ne sais pas si vous lirez cette lettre, mais je crois que Daniel est en danger. Il a besoin qu'on le sorte d'ici. Je vous en dirai plus s'il vous plaît, ce numéro. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Merci. 775 555 0118. 775 555 0118. 775 555 0118. Ah, il le fait tout seul, ok. 775 555 0118. Voilà, c'est comme si je le faisais moi-même. J'ai pas oublié. Je suis RP. Jacob, it's me, Sean. Sean? No way! I've been waiting to hear from you for months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Ok. Bon, il avait l'air content qu'on l'appelle, il avait pas l'air... Damn. He couldn't really talk. Ouais. All this is so messed up. This place is quite remote. Good. At least nobody will be looking for me here. Allez, j'ai dit jusqu'à maintenant si je peux faire des dessins, je les fais parce que je savais pas comment on pouvait les faire efficacement. J'avais pas vu qu'il avait une cicatrice sur la tempe gauche. I got a few moments to myself, so let's practice. Je sais pas si c'est dû aux aventures qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais. Toutes les These mountains really inspire me. Tous les lampadaires, ça fait un petit peu des croix. Et moi qui croyais que c'était juste ça qui dessinait à chaque fois. J'étais vraiment à côté de la plaque. Je suis vraiment désolé pour ça. Mais je pense honnêtement ne pas être le seul parce qu'il y a eu quelques QTE ou des trucs comme ça. It's so wild and huge. Où le jeu donne pas énormément d'explications. Je repense au stylo avec comment il s'appelait, Joey, l'infirmier. J'ai toujours pas compris comment fallait faire pour aligner le stylo sur. I guess that's an okay start. But I can keep going. Je crois que c'était un truc avec ma molette, ou alors faut que j'appuie sur clic droit et que j'avance la souris. Just draw now. Don't think about anything else. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. Ouais, voilà, j'aime pas par contre le concept de. Je suis obligé de faire ça en fait pour qu'il dessine. I could see myself stopping by this motel during a road trip. J'aime beaucoup. Taking a dip in the pool after a long ride. Haha, le petit Cthulhu. All right. Back to reality, dude. C'est beaucoup plus sympa ces dessins là du coup. Franchement, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Jusqu'à maintenant, j'étais dubitatif sur le truc, mais j'aurais aimé voir quel dessin il faisait de Cassidy. Mais bon. I'm not going out. Better wait for Karen in here. We've come a long, long way, buddy. Je crois que c'est le pull qui portait le jour où ils sont enfuis justement. This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. C'est peut-être fait exprès. Ah, par contre, ouais, si c'est le même qu'elle avait à l'époque. Eh ben. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Si j'ai compris, c'est pas ton lit par contre. Ça m'intéresse de voir ce qui va. Hey. En fait, voilà, juste un petit truc. C'est que là, moi, je vais essayer de réagir comme moi je réagirais, comme d'hab. Mais je suis certain que Sean, il va avoir des réactions qui.
que je ne pourrais pas contrôler. Mais ça m'intéresse de voir c'est que ça va être quoi. Sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair. Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Got you some gauze and antibacterial stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? Ouais, on a eu de l'aide en vrai. We just got lucky. And got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why, if you care. So, ask me anything. Ouais, bah oui. All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. I wasn't happy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just... felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't... really do me good, so. Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life.
and I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself, thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel, and Esteban. C'est marrant parce que du coup, techniquement, Karen, elle se retrouverait dans les personnages de Cassidy et tout ça, quoi. Donc au final, elle se retrouverait avec des personnes avec lesquelles Sean voulait s'entendre. C'est juste qu'il est vexé parce que le tort qu'elle a causé, elle l'a causé à lui, en fait. C'est vrai que c'est un peu trop tard. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est comme lui réagirait. Elle est partie depuis genre 8 ans, donc je pense que ça se dit quand même. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad. So don't even. I know it's too late. I want you to know how I feel. Yeah. I still don't care. Jeez. Même si c'est pas cool qu'ils réagissent comme ça, ça c'est logique. C'est logique. Donc là, j'accepte. On préfère toujours voir la solution la plus amicale, mais dans certaines situations, c'est juste pas possible, quoi. Après, je vais carrément accepter son aide et je vais pas la rejeter. Il y a plein de choix qui étaient proposés où c'était plutôt une réponse méchante. Je préfère éviter ça. Je veux pas lui faire de remontrances qui sortent de nulle part, en quelque sorte. Genre, quand elle parle d'Esteban et la réponse c'était il était tellement meilleur que toi, ça avance tellement pas la conversation et ça aide ni Sean ni sa mère, quoi. You want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world. With like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. En tout cas, elle le défend très bien. Enfin, je suis pas Sean, donc j'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Mais, I mean, I get you wanted to leave and stuff. Okay, but why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. Mm.
Voilà, le heureusement que tu l'as pas fait, je pense pas que ce soit nécessaire. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Yeah. I wasn't that lucky. Oh, Sean. I know. Do you want to tell me how you felt then? Or now? I felt guilty that we weren't enough for you. No, no. You guys were the reason to stay. I left because of me. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. Plus ou moins comprise. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. That's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Même si je cautionne pas en général, hey, allez. Mind if I bum a smoke? Sure. Still got a few left. En général, j'ai toujours évité les choix où Sean devait fumer, mais bon, ça l'a pas empêché de le faire tout le long de la route. Je pense que c'est un bon moment. Wow. I haven't seen that lighter in ages. Your dad loved that thing. I know. Only thing I have left of his. No, man. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Then we'd just look up at the sky and watch the stars or the planes. I do miss that. I used to do the same with my best friend Lila. Sitting on the porch. Just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together, shut the hell up, and watch the universe do its own thing. J'aime beaucoup, beaucoup ce type de moment-là, ce type de conversation, ce type de passage dans le Life is Strange, parce que, merde, on y croit tellement. Enfin, c'est un truc de fou. Karen n'existe pas en vrai. C'est juste une histoire inventée. Mais le doublage de l'histoire, on y croit à fond, quoi. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série pour ça. On, les personnages, on les vit, quoi, en fait. We should go back inside. I gotta change this dressing. Okay, let's go. Sean, I know I can't change the past, or what I did, but this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. I know. It's still hard. But yes, we have to be a team to rescue Daniel. We can do it.
Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye. So, do you need any help with that? Non, non. Je vais laisser sur le fait que Sean reste indépendant en quelque sorte. Il a pas besoin de Karen. I got this. So, you feel like telling me the story here? Not really. Bon, le problème c'est qu'il a pris un ton un petit peu vénère par rapport à ce qu'il était deux secondes avant, mais je pense juste que c'est mieux comme ça. Try this on. De toute façon, au même âge que lui, je voulais pas l'être de ma mère. Je pensais à un truc, c'est vrai que Joey... Bon, c'était rapide. Je vais juste dire vite fait, très vite fait, je pensais que Joey, au tout début, il avait dit un truc du genre « Ouais, la technologie des œils de verre, elle est beaucoup mieux maintenant. » Mais il a besoin d'avoir un œil de verre. Ça veut dire qu'ils doivent lui retirer son œil. C'est chelou quand même. Enfin, je sais pas, j'y connais rien. Thanks. Big day tomorrow, so we should get some rest. Yeah. I'm ready to get Daniel. Eh bah. Quoi, parle à Jacob là? Sure he's gonna show up? He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Hope I can see them again someday. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? Il est pas comme les autres. Well, he's definitely special. Hope so. He's your brother, right? Heads up. Je pense qu'elle connaît. Elle sait pas qu'il a des pouvoirs. Yep. Alors elle réagit autrement. Hey. Sean, what happened? Comment ça, qu'est-ce que t'avais dans la tête? Pourquoi je serais vénère face à lui? Je comprends pas. Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Pourquoi je serais énervé contre Listen, lui? I saw Daniel come back to the camp that night. Ah, d'accord, d'accord. Je pourrais être énervé contre lui du fait qu'il a ramené Daniel ici et que c'est plus ou moins une secte. C'est ce que le jeu essaie de nous impliquer. En vrai... Pour moi, c'est toujours mieux qu'une plantation de cannabis dirigée par un mec avec un fusil d'assaut. C'est peut-être mon avis, mais bon... Jake, pour moi, il a aidé Daniel. Like he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things. I took a blanket from your tent and we left together. I also kept the cash you made on the farm. It's in my car. Bah ouais, il a bien fait parce que Sean, il s'était dit que les flics avaient pris son argent.
Et ils auraient pu. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape, with a gunshot wound, and all by himself. I couldn't just leave him there. So, you came back here after you escaped, but with a dazed little boy, and everybody was cool with that? Trust me, it was not an easy thing for me to come back. And, yeah, they took us in. That's what they do here. They take people in. Except they didn't want to take me in yesterday. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. She's good at this. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Yeah, not afraid of that Lisbeth of yours. I'm getting Daniel out of here. Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. Elle est malade. She's sick. They believe in everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. Oh, putain. I know you understand, right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Okay, Jake. I'm listening. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Fine. Sure. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. C'est vrai que je comprends pas trop pourquoi on aurait pu réagir immédiatement hyper énervé contre lui. Parce que c'est pas comme s'il aurait pu rester à la plantation caché, tranquille. Il s'était pris une balle, donc ouais, il fallait qu'il soit soigné. Et Jacob, bah... Je sais pas, il l'a aidé, quoi. Donc ouais, c'était assez facile de faire son choix ici de comment on réagit face à Jacob. Pareil pour l'argent, je vois pas pourquoi je me serais énervé contre lui alors que... Là, il me l'a avoué. Donc ça veut dire qu'il va me le rendre, l'argent. Je pense. Donc, je sais pas. Je pense qu'on est à la fin de l'épisode. Je vais rester jusqu'au bout. Je vais finir cet épisode. Karen, je vais... I'm in place. I can see the whole camp. Let me know if you need anything. Careful, Sean. That is a long episode, maybe. Thanks. We gotta be careful now. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Let's get this over with. Okay. Lisbeth's house is right behind the church, so in and out. Okay. And you sure Lisbeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh, shit. How many? Just three. A man with his kid on one side, and a woman alone on the other. Got it. Okay. Thanks. People aren't supposed to come and go around the church once the service is over. Better to avoid them if we can. Je la ferme la barre, elle me verra pas de loin.
quoi voiture? This place feels so different when it's empty and silent. C'est quoi le rapport avec la voiture? Attends. So, did you grow up out of here? No, in another community back east. When Elizabeth came out here to start Haven Point, my folks followed her and brought me along. Hmm. Must have been hard on you. Kinda. 8-year-olds don't want to go to church all day. Karen, everything all right? Yeah, don't worry about me. I found the best hiding spot. The view is kinda great. Cool. Be careful, though. You never know. Thanks, Sean. I will. Okay. There it is. Looks empty. Let's hope so. Luckily for us, we never close our door. Ah oui? Closed door is a closed heart, she says. Y'a des fantômes ici, ok. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Oh, we did it. Now we have a little bit more time. Yes, we do. Nice work. So where are the files? Right there, in her office. Ugh, of course it's locked. Her open door speech is just another lie. We gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. C'est pas logique. Bref. Whoa. Tu dis whoa parce que tu t'es téléporté ou... Yeah. Yeah, no, it's just so full of memories and stuff. The moat and the bean. Oh. En tout cas, voilà, je vais pas lire, mais c'est parce que j'ai lu, mais voilà, je vais pas le dire. En tout cas, elle prend des médicaments. Whoa. This place is worse than army camp. Tâche ménagère pour Daniel. Bon, faire le chèque matin, ça va. Faire la vaisselle à chaque repas. Eh, à la limite. Chaque semaine, ok. Sortir pour lundi, ok. Ça, ça va. Ouais, ok. Ça va. C'est pas des tâches. Après, il a 8-9 ans. Oui, c'est vrai que c'est un peu. Coaxing lesson one. Get Daniel his favorite cereal. Est-ce que c'est un peu strict ou pas? Je sais pas, au final. Parce que, genre, pour moi, c'est la limite. On demande pas plus que ça. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il est un peu jeune, peut-être, pour tout ça. Damn. This is so artless. J'aime mieux le mot en anglais. Confide and convince? 15 steps to a good speech. Yeah, nice read for a saleswoman. Hmm. Lisbeth sure likes to be on pictures. Evenings in here must be so much fun. J'ai entendu pas de télé. C'est peut-être une bonne chose. Peut-être pas quand t'es dans une secte. Daniel's haircut makes much more sense now. Ah. This is a lot of pills. Especially for someone who doesn't believe in science. Hypocrite. Did she teach Daniel how to play this? Ce serait cool. Does she even believe in any of this? Nothing here. Nothing interesting. Nice prison view, dude. Okay. I swear, even her bed looks strange. Je peux regarder. Is everything all right in there? Yes. We're trying to get into her office. She's locked it up, so
It has to be there. Fine. I'll let you know if I see anything unusual. Got it. Encore 8 trucs à regarder. Okay. What the? She's completely obsessed with his power. Daniel est fatigué après avoir utilisé son don. Rien n'arrive à leur donner d'énergie. Changement d'alimentation. Il agit de son propre chef. Les saintes écritures ne l'encouragent pas. Plus de prières, plus d'études. Daniel boude après sa leçon d'aujourd'hui. Qui aime bien châtie bien. Pas encore. Faire preuve de grâce. Faire confiance au Seigneur. J'ai pleuré aujourd'hui en regardant les miracles. Cet enfant doit être un intermédiaire. Que va-t-il nous envoyer? Et quand? Yeah, that will definitely explain what's going on with Daniel. Yep. Okay, I found a key. Good. Let's try it. Oh, shit. Looks like the Reverend Mother got to this letter before Jake. Merde. Jacob, merci beaucoup de m'avoir prévenu pour Daniel, je suis en route pour Event Point. Dis à Daniel, sans vous attirer d'ennui ni à lui ni à toi, que sa famille ne l'a pas oublié. S'il te plaît. Je ne sais pas où est Sean, mais j'espère qu'on le trouvera lui aussi. Je te souhaite bonne chance, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander d'aide, je suis là pour toi. Ok, donc la mère sait que Jacob n'est pas... on va dire coopératif avec elle. What a great fucking family portrait. Don't see anything of interest. Bah quand même. Elle fume. She sure likes to gaze at her own success. Event Point monte en flèche. Whoa. They kicked her out of church? Now they're thirsty. Michael Bloom, je sais que nous ne sommes pas pu parler depuis longtemps et que notre dernière conversation n'était pas gaie. Malgré une différence, nous savions tous que vous étiez une âme pieuse à ne pas sous-estimer. Personne n'a été surpris que vos mots et vos actes touchent autant de monde. J'espère que vous ne doutez pas de ma sincérité lorsque je dis que nous sommes tous fiers de vous. Nous sommes également désolés, nous avons honte de vous avoir demandé de quitter notre église sans comprendre la portée de votre foi. Nous ne devons pas oublier que les erreurs peuvent être source d'apprentissage, même si les diacres les plus orgueilleux doivent faire preuve d'humilité devant la sagesse du Seigneur. Nous espérons que vous trouverez en votre cœur la foi de nous pardonner. La force de nous pardonner, et nous serions honorés de vous accueillir à votre convenance. Faut que je me boive un café, moi, parce que là, je suis en train de dire n'importe quoi. Is this Daniel's room? C'est exactement ce que j'allais dire. Man, it's depressing. Well, Lisbeth doesn't believe in material possessions, so. Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. This is still better than that ugly white shirt she's making him wear. Okay. Oh. This is quite the change from Power Bear and friends. 100% Jésus. No matter what happened, I guess Finn was a real friend to Daniel. Hey, oh, oh. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Book of Daniel. So much for hot dog, man. They're so cute. What is this? Daniel Fisher? Oh no. No, that's total bullshit. And creepy. Elle a pris deux places, elle a donné son nom de famille à Daniel pour la deuxième place. Oh, shit. People are really all over his power. So much for secrecy. Mm-hmm.
Happy birthday, Daniel. He looks happy. Fuck. I can't believe I missed it. Is she forcing him to do this? Why is he accepting all that? Il a pas l'air d'avoir trop le choix, en fait. Locked, of course. Shit. Maybe it opens the other door. Okay. Eh ben, on va voir ça. En tout cas, on découvre plein de trucs, c'est cool. Même si, à mon avis, c'était pas l'horreur, mais c'était pas la joie non plus pour Daniel d'être ici. Jacob, il me fait peur quand même. Il se téléporte partout, il... Yes, that's the one. Oh, perfect. Il est bugué. Whoa. Is this her personal archive or something? Yeah. She keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Damn. She has pneumonia? And for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you like sick? Conversion therapy? Did they wanted to cure you from being... Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Is that why you... ran away? Yep. Took me 5 years to understand what was up. I was too scared, confused. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Ça a donné quoi? Atone? For what sins? I don't get how they can preach this kind of crap. I mean, you met Finn and everyone. Are they sinners then? Of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Lisbeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like... the real miracle. Instead, I... Ça a bugué, je suis désolé. I just hurt him. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. Exacto. I hope they'll help her. Garde Mathune, pourquoi? Yeah. Anything would be better than here. Right. I just hope they can still cure her. What's up? You got company. That thug who works with Lisbeth, he's just holding some files. Doesn't seem to be on to you. This guy is dangerous, Sean. Hey, trust me. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word.
Oui, carrément, oui. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Ça va être un gros choix, je sais pas pourquoi. We gotta hide. Now. Ok, on pourrait pas fermer la porte parce que... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hurry up. Sinon il va se rendre compte qu'il se passe un truc chelou. Come on, Sean, we need to hide. Man, if he finds us here, we're screwed. Ce sera là, hein. Hey, I know you're somewhere in here. And if I find you... Quoi? Comment il sait qu'on est là? On a fermé et tout derrière? En plus, il a ouvert la porte, j'ai l'impression qu'il l'a pas déverrouillée, elle est juste ouverte. Hein. Oh putain. Huh? What the fuck is going on? Sean, do you think it's gotta be Karen? Oh, he's gone. Comment Let's il a su qu'on était là-dedans par contre, je comprends pas. Ah merde. That was crazy. J'aurais dû fermer la porte. Pardon. Is she actually scared of me? Je vous envoie ce message pour vous avertir que notre église a peut-être attiré un homme dérangé prétendant être le frère de Daniel. Il s'agit d'un adolescent mexicain borgne de 16 à 18 ans qui dit s'appeler Sean. Si vous le voyez, ne l'approchez sous aucun prétexte. N'appelez pas la police. Prévenez-moi ou Nicolas immédiatement. Il ne doit pas approcher Daniel ni d'aucun autre membre de notre église. J'espère ne pas vous avoir inquiété, mais nous avons le devoir de nous protéger de toute menace extérieure. Putain. Better get Daniel out of here before she gets too much attention. She's running a typed ship here. Gotta give her credit for that. I don't think there's anything worth a look in here. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression le fait qu'on puisse fouiller encore. Fuck. She's done some serious research. And still acts all naive. Seriously. How can she ignore that? J'espère que vous pardonnerez cette intrusion dans votre église et vos croyantes, mais j'ai un immense respect pour ce que vous avez bâti ces 10 dernières années. Je suis convaincu que le Seigneur vous a choisi pour une raison. Je suis un ami proche et longue date des Ackerman, y compris leur très chère fille qui est malade depuis bien trop longtemps. Fort heureusement, la médecine peut l'aider, bien que sa famille ait refusé les soins suite à vos conseils. Il voit sa pneumonie comme un problème spirituel que vous seul pouvez régler par la prière. Bien que ce soit en partie vrai, je pense que nous devons profiter des miracles proposés par la médecine. J'espère que vous prendrez la mesure de la sévérité de la situation, car je me sens personnellement responsable de Sarah Lee et de sa famille, qui sont très pieux. J'en reparlerai la semaine prochaine si possible et connaître votre opinion sur le sujet. J'espère ne pas vous avoir offensé. Ah putain. Il a vraiment l'intention de la laisser crever pour. I can't believe this type of shit still happens today. Jacob. Oh shit. Why did Daniel tell her so much? Merde. I knew this guy was sketchy, but whoa. Ah, le mec avec le
incarcéré pendant 11 ans, a encore des contacts parmi les gangs blancs, croyant mais n'a jamais lu la Bible, ancien toxicomane, sujet sensible, tendance à l'orgueil. Trois adolescents braquent un... Sur la prise de la drogue, ils ont passé le caissier à tabac et volé la caisse. Rattrapé par le propriétaire du magasin alors qu'il s'échappait, le plus âgé d'entre eux a sorti une arme. Ok, je pense que j'ai vu un petit peu tout. Does she read anything else? On peut y aller maintenant, je pense. Baf. Je sais pas, je pense que ça peut nous servir, en vrai. J'ai envie de voir ce qui se passe dehors, mais en même temps, je sais que... The fuck? What is it? I think that's the file Nicholas had. Take a look. What? Is she trying to adopt Daniel? Oh putain. Exactly. And she's doing it under the table, of course. Man. Ok, bon, là on a tout ce qu'il nous faut, je pense. Alors qu'est-ce que Karen a foutu? Look at that. Your mom is hardcore, Sean. Yeah. I guess she is. Vous êtes sérieux? So we're all good now? I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Then let's meet up at the car, okay? Elle a foutu le feu, c'est ça votre réaction? You be Merde. Careful, okay? You too, Sean. C'est pas une distraction, c'est good criminel. Luck. Mais putain. C'est des criminels aussi, hein. C'est pas... Enfin bon. C'est pas grave. Come in, Karen. See anything? No, you're all clear. Awesome. Talk later. Je vais passer par là. Locked, of course. Elle m'a dit all clear. C'est-à-dire qu'ils sont tous allés vers le feu. Ah bah tiens. Mission accomplished? Yep. Now the hard part. Did you find what Jacob needed? And a whole lot more. Thanks for the help. That was pretty sweet. I try. You did well. Hey, I'm here if you need me, Sean. I know, Karen. Thanks. So you know what you're gonna do? No. But let's do it. Oh Lord. Let your power speak through this young vessel. I am your humble Sean, servant and will obey what the hell your is this? Every command. Speak to me. It's Daniel. Speak. I told you, he's kind of special. Hey. Sean! You came back? Enano. Little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary, right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I...
I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know ouais, anything. Bah oui, bien sûr. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her? Or me? I... That's right. You can't tempt Daniel from this garden. On va se la jouer à Storm. He'll va stay trouver with des us, his true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Oh! Holy shit. Ok, là, ça se passe pas très bien. Reverend, are you okay? Nicholas, they're heretics sent to desecrate our church. Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee? She's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust. I know. She went to see doctors for herself when she was in pain. She never waited for a miracle when she was in danger. What? Is that true? Reverend Mother? Have faith in me, Daniel. I know what I'm doing. God is speaking to me and to you. She's doing paperwork to adopt you and change your last name, Inanno. Dad's name. Are you okay with that? What? I... No! I didn't know! Is that why that card said Daniel Fisher? Of course not! He's making everything up! Don't believe his lies, Daniel! I found a letter from Karen, our mother, inside her house. She hid it from you, so you never know. She's looking for you. What? You told me she didn't want to see me. See what you have done.
Hey, Enano! Back off. No one is gonna keep me away from you. I said stop! Don't. I came all this way for you, and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need- Sean! He must learn. Comment ça, il doit apprendre? C'est toi qui vas apprendre. Listen. I did my best job to be a good brother. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean! Don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up! He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him! Don't let them do that, Daniel. If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anno. Stop so it! We have to keep going no. forward. What are you gonna do? Kill him! Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Nothing, nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. I know. Dad always said our blood link was the most important thing. You know it. Please! Stop! Leave him alone! Daniel! Listen to him! I won't stop! No matter what she does! I'll come right back! Again! And again! I love you, Daniel. I do too. Shut him up! Now! Don't move! Just stop! If you want to kill me, then do it! I'm not afraid! Do it! Shoot! Don't! Go ahead! What? Shoot me in the face! And live with it. Now! Stop! She was someone else. I'm sorry. Sean, we need to get out of here. Now. Bon, c'est pas pour autant qu'on devrait les laisser crever. No. You started this fire. You will all burn in this hell. Move. Let us go. Move it! You won't leave this place. Not with me alive. I said move! I will hurt you. Sean. Foolish child. You can't threaten me with death. I embrace it. I know what awaits me. Non. Non, je peux pas la tuer non plus, mais... Bon. Open the door, Enano.
Daniel, after all I did for you, you can still repent. I don't believe you anymore! J'espère que Jacob ait le temps de récupérer sa sœur pendant ce temps-là. C'était puissant comme moment, en tout cas. Franchement... Je vais passer... Non, je vais profiter vite fait de la musique qui a pas l'air d'être... Bref. Ce chapitre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était parti d'une façon... Je pensais que Sean allait encore en faire qu'à sa tête à tous mes choix. Finalement, ça s'est rattrapé sur la fin. C'est peut-être aussi parce que j'étais d'accord avec la majorité des choix qu'il a pris sur la suite. J'ai beaucoup aimé. C'était très très prenant, comme je disais. Sa conversation avec Karen, je la sentais, c'était vivant, c'était pas... On a du mal à penser que ce soit juste un truc imaginé, quoi. Et... Vraiment, vraiment un super dernier arc, en quelque sorte, enfin, dernier passage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet épisode, franchement. Alors, j'ai réussi un des examens. Comme je disais, le deuxième, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, au fait. Et j'ai l'impression que la plupart des gens, c'est pareil. Vous avez dit à l'agent Flores que Finn a eu l'idée du braquage. J'ai préféré dire la vérité plutôt que prendre le coup pour moi-même alors que j'étais absolument pour rien. Et... Ouais. Vous êtes échappé de l'hôpital sans faire de mal à personne. Oh là là, on aurait pu attaquer Joey pour s'échapper de l'hôpital. Ou attaquer le garde. Ah putain, quand on retirait la barre. Oh non, ça aurait été trop nul. Finn n'était pas à l'hôpital, vous n'avez pas parlé à Finn, elle avait tenu responsable de ce qui s'est passé.
Vous avez parlé à Finn, elle avait pardonné pour ce qui s'est passé. La plupart des gens l'ont pardonné, lui ont parlé, l'ont pardonné. J'ai préféré ne pas lui parler, moi. Et 9%, c'est s'il était mort, je crois, là. N'avait pas essayé de reprendre le jouet, elle ne l'avait pas cassé. Ah. Vous avez refusé de chanter, vous êtes fait taper. Vous êtes monté dans le camion, bon ça, oui. N'avez pas donné de l'argent à l'église. Les 35% qui ont donné de l'argent à l'église, ils doivent se sentir bien, là. Globalement, vous avez essayé de laisser Karen se confier. 94%. Voilà, c'est ce que je disais, en fait. Le truc, c'est que... Karen, nous, on la connaît pas. On n'est pas comme Sean, abandonné par elle quand on avait 8 ans. On la connaît pas. On veut juste comprendre ce qui s'est passé. Et globalement, la façon dont elle l'a raconté, moi, je l'ai senti, quoi. Donc, au final, j'avais juste envie de comprendre ce qui se passait. Je pouvais pas. En fait, c'est ça, le truc. C'est qu'on voit, hein. Vous n'avez pas épargné Karen. Vous avez bragé la conversation. 2%, 4%. On n'est pas Sean. On va pas s'énerver contre elle sans qu'elle ait le temps de se justifier. C'est débile. C'est débile. Donc, ouais. C'est peut-être un peu mal fait la façon dont ils l'ont présenté. Mais bon, la façon dont ils l'ont raconté, par contre, était nickel. Hein. Vous avez fumé une cigarette avec Karen. Vous avez refusé son aide. 77% ont accepté. C'est juste pour le côté on est ensemble. Mais Sean est indépendant, je trouve. Nicolas ne s'est pas aperçu de votre présence. Vous n'avez pas donné d'argent à Jacob. Je trouve que ça sortait de nulle part. Il m'a pas dit qu'il n'en avait... Enfin, je sais pas. Ça se trouve que c'était un mauvais choix, je suis désolé si c'en est un. Vous avez réussi à échapper à Nicolas. Daniel et vous avez éparé la vie de Lisbeth. Ok, il n'y a que 4% des gens qui ont décidé de tirer sur elle, vraiment. C'est... ouais. This is it. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah. I think. Ah. Le Mexique. Bon, bah, l'épisode suivant, il sort pas maintenant. Il sort en décembre, je crois, le 3 décembre, si je dis pas n'importe quoi. Donc, on n'y est pas encore. On n'y est clairement pas encore. Et bah, c'était un épisode super long. Je pense que c'était mieux que je le fasse d'une traite plutôt que deux épisodes de 30 minutes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine sur Life is Strange 2.